Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Madame Et alors, Ledoux. Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller, là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Il vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Pas vu, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille passe devant sa maison et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de Laplace. Maître de Laplace. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui. Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui. On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène, taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame, c'est taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume, parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Attendez, quittez pas, hein. Quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Ah, mais si vous êtes sur la route, vous irez. Mais dans combien de temps tu seras là? 10 minutes, maintenant. 10 minutes? Oui. Mais est-ce que tu veux le faire? Il faut que je fasse. Et il faut que tu ailles. Faut que tu. La dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir ton derrière. Sûrement pas. Bon, tu veux pas le faire? Sûrement pas. Bon, d'accord. Mon mari veut pas le faire. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Qu'elle soit arrivée à lui demander à son mari de faire ça, c'est épatant, je trouve. Ouais, je trouve.